C'est un geste d'auto-prise en charge qu'a fait la population des Voulamba, une commune située dans le nord de Boutembo, après que le comité urbain a interdit aux jeunes de jeter des restes des cannes à sucre sur la chaussée pendant leur footing matinal de chaque dimanche. Les habitants de cette municipalité ont ravi ce dimanche un gros lot de cannes à sucre à tout contrevenant à cette mesure. Ces cannes à sucre ont été par la suite remises aux détenus de la prison centrale de Boutembo sur ordre du comité urbain de sécurité. On écoute Cyprien Moulondi. Il est bourgmestre de Voulamba. Il y a beaucoup de cannes à sucre qui ont été saisies là par la population. Et juste après avoir pris ces cannes à sucre, parce qu'il fallait limiter au moins les salubrités jusqu'au repos Malumalu. Et le CCO a décidé qu'on amène ces cannes à sucre aux prisonniers de Kakwangora. Donc, hier, quand on a déposé ça aux prisonniers de Kakwangora, c'était la fête. Les gens ont bien sucé. C'est là que nous avons salué cette action de la population des Fourbes. Les jeunes qui salissent la chaussée jusqu'à ce niveau, il faut qu'ils comprennent que l'entretien, le balayage coûte cher pour le service de la mairie. Nous n'avons jamais interdit que l'on puisse sucer sa canne à sucre. C'est vrai? Donc, nous avons toujours donné la recommandation. Vous voulez sucer votre canne à sucre, mettez les déchets à poche. Et quand vous arrivez à une suite de ramassage, là où le camion ville propre arrive, vous jetez ça là-bas.